Ok, yo, 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 les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va très bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo. On va tester la pire copie du jeu Clash Royale. Parce que oui, les gars, vous avez beaucoup aimé la vidéo où je testais les pires copies du jeu Brawl Stars. Bah, cette fois-ci sur Clash Royale. Je vous en dis pas plus et bon visionnage. Ok, les gars, donc on se retrouve directement dans l'écran de chargement du Clash of Wizards. À peine fini ma phrase qu'on est déjà dans le tutoriel. Ok, il y a des tours au fond, il y a des tours, ok. Pour l'instant, c'est vraiment Clash Royale. Il y a les cartes en bas, ok, pareil. Il y a l'élixir juste au-dessus, encore le mage qui nous parle. Il y a le temps restant, ok, 3 minutes. Il y a les couronnes à droite encore. Enfin, franchement, pour l'instant, c'est pareil, hein. De première vue, c'est Clash Royale. Après, on n'a pas encore vu le salon et tout ça, mais de première vue, c'est Clash Royale. On va balancer les volées de flèches. On a pré-shot. On va tout balancer à droite, je pense, comme ça va être rapide et efficace. Déjà, on casse ça, là. C'est une tour un peu bizarre, hein. Carrément, c'est une pierre qui nous attaque. Bon, allez, on balance tout à droite. C'est parti! Dégommez-moi tout ça, là. On en finisse rapidement et efficacement, bien sûr. Toujours rapidité, efficacité. On dégomme. Allez, allez, on balance tout. Tout ce que je peux, je balance. Tout à droite, comme ça fait un gros tas. Hop, on va balancer la boule de feu, c'est parti! Oh, stylé, on voit la boule de feu. Et c'est la victoire. Let's go! Ok, trois couronnes, dirais. Oh, bah voilà. Bah voilà. Pareil que Clash Royale pour l'instant. Le coffre qu'on gagne et tout, franchement, pareil. Donc voilà le salon, les gars. On va ouvrir le coffre directement. On va attendre 5 secondes. Il y a les ressources en haut, l'XP en haut à gauche. Bataille et tout, franchement, nickel. Hein. Franchement, c'est pareil que Clash Royale. C'est vraiment une pure copie. Ok, or, soldat, volée de flèche, fusillé, et voilà. Ok, dans le petit coffre. On va améliorer, donc c'est parti. On va améliorer le soldat, le chevalier en gros. On peut pas améliorer plus? Ah non, j'ai plus de pièces. Ok, bon, on part directement sur le combat. Le deuxième combat, le deuxième tutoriel. C'est donc parti. Ok, on va balancer ça là du coup. On va l'écouter pour l'instant et après on va tout balancer. Ok, on va. Ah, oh, ok, ça fait un combo, ok. Ça fait gros truc et deux petits trucs derrière qui peut aider, ok. Ok, je vois, je vois. Allez, allez, la tour. On va essayer de balancer à gauche et à droite. Deux trucs à gauche et à droite, c'est pas stylé. Faire un maximum de carnage, un maximum de dégâts. Rapide, efficace. Ok, on va casser ça directement. Let's go. La tour de droite. Allez, la tour de droite. Ok, let's go, la tour de droite. Et maintenant, la grande tour, la tour du roi. La tour du roi mage, parce que... Un roi, c'est... Bref. Ok, donc là, voilà. Trois couronnes, encore. Un petit coffre. Let's go. Ça régale. Il y a 5 secondes encore d'attente. On va ouvrir ça au bout de 5 secondes. Voilà, les gars, il y a l'arène. En vrai, c'est vraiment une copie pure de Clash Royale pour l'instant. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires. Franchement, pour l'instant, je trouve ça une copie pure. On va. Ok, on a deux nouveaux trucs. Des chauves-souris et un truc piqué. On va pouvoir améliorer tout ça. Remplir le deck. On n'a pas regardé les cartes un peu. C'est parti. Il y a pas mal de cartes en vrai. Ok. Ok, il y a le Phoenix. Il y a même Phoenix Clash Royale. Il y a le Zappy aussi, les gars. Il y a Zappy et Phoenix. Zappy, Phoenix dans les légendaires. Alors, est-ce que c'est des légendaires dans le jeu? Je ne sais pas. Il y a l'armée de squelettes aussi. J'ai pas vu. L'armée de squelettes. Stylé. Trois cartes qui copient, à part. Aussi, il y a aussi la boule de feu, les flèches et le magasin. On peut pas encore. Le combat, est-ce que. Non, on peut pas non plus. Les clans. Bon, c'est pas grave. On va relancer une partie. Peut-être qu'après, on pourra. Enfin, j'espère. Donc c'est parti, la dernière du tutoriel. Il nous dit de se débrouiller. On va se débrouiller, je pense que ça va le faire, c'est assez facile. Donc c'est parti. On envoie tout à droite, on défend aussi à gauche, normal. Et on va faire un petit carnage pour le dernier truc du tutoriel. Allez, allez, dégomme-moi tout ça. Ok, allez, allez, mon coco. Dégomme, voilà, c'est bien. Oh, je suis trop fort. Au tutoriel, c'est trop facile. Je sais pas si c'est trop facile ou je suis juste trop fort. Mais bon. Ok,
Ok, let's go les gars, 3 couronnes, ça régale. Toujours 0 trophée, ok. Un coffre en plus, parfait. Lien contenant, merci. Ok, donc comment on s'appelle? Bah, Flight Run, hop. Photo de profil, on va prendre la guerrière là, hop. Couleur bleue, normal. Donc c'est parti. Oh, c'est bon les gars, j'ai fini le tutoriel, let's go. Donc là, c'est le vrai jeu, on a fini le tutoriel et tout. Il y a des nouvelles cartes boostées, ok. Comme Clash Royale. Un nouveau coffre. Ok, donc les cartes et tout. Il y a le magasin, les gars, nouveau magasin. Ok, il y a un Wizard Pass, 1,25€, des trucs avec des gemmes. Ok, des trucs gratuits, on va le prendre. Un peu là, en rupture de stock d'ailleurs, ok. Ok, ok, encore des trucs de gemmes, des trucs gratuits, des trucs payants aussi. Des pièces, ok, le deck, on peut pas encore l'améliorer. Oh, on va ouvrir le coffre, c'est parti. Ok, 160 pièces, machine volante, nouvelle carte, let's go. Chauve-souris et des fusillés, ok, déjà on a une nouvelle carte, c'est plutôt pas mal. Franchement, ça régale. On va améliorer un peu tout ça. Donc les fusillés, tac, ok. On va améliorer aussi le soldat. Ok, on va améliorer les chauves-souris, on améliore tout. Hein. On s'en est un peu plus fort, on s'améliore. Normal, on va essayer de monter niveau 3, je sais pas, on va le faire dans la vidéo. Mais on va déjà essayer. Donc voilà, on va jouer la machine volante. Les clans aussi, les gars. J'allais dire les clubs, mais non, c'est des clans sur Clash Royale. On peut en créer un, ça coûte 1000 pièces. Dans le classement aussi. Ok, classement. Le joueur mondial le plus fort, là. C'est vrai qu'il a l'air fort. Carte niveau max et tout ça, il a pas de clan. Franchement, il a l'air fort. Ok. Donc il y a des coffres gratuits aussi en haut à gauche. On va les prendre. Or, des gemmes. Des fusillés encore. Et la dernière carte, des chauves-souris. Ok. Il y en a encore en haut à gauche. Il y en a encore 2. Il y en a 3, c'est fou ça. Ah, je pense que c'est 3 par victoire. Ah non, une par victoire. Et si on 3 combats, du coup, ça fait 3. Ok. J'ai compris. Ça fait un peu comme dans Clash Royale, il y a des défis à faire par jour. Des gemmes. Canon de siège, ok. Des fusillés encore. Et la dernière, des piquets, ok. Stylé. Donc on va améliorer un peu tout ça, si on peut. Ok, on peut. Let's go, l'archer. Oh, niveau 2. Ah non, je pensais qu'on était niveau 2 tout à l'heure déjà. Ah bah ok. Un peu là, on améliore tout ça. Donc ça m'étonnerait qu'on passe niveau 3. J'avais dit niveau 3, mais si on était que niveau 1, j'avais pas vu. Ça m'étonnerait. Donc hop, les fusils en plus, let's go, ça régale. Il y a un canon du coup, on va jouer. On va essayer de le jouer. Ok, en vrai, il a l'air fort. Hein. On va essayer de le jouer. Ok, on va le mettre à la place des piquiers. On va tester ça. Je sais pas si c'est un bon deck ou pas. Je sais pas d'ailleurs si dans ma communauté, il y a des joueurs de ce jeu. Dites-moi si le jeu est bien, si vous l'aimez bien, enfin voilà. Si vous vous débrouillez bien aussi à la rigueur, ça peut être intéressant. Moi perso, je suis un débutant, donc je connais pas le jeu. Je pense pas y jouer énormément ce jeu-là, parce que je préfère Clash Royale. Enfin, c'est un peu normal, c'est le jeu basique. Ça prend un peu de temps, ok, c'est bon. Donc là, les gars, on joue contre une vraie personne. Pour gagner des trophées et tout. Bon, il a le même niveau que moi, il est niveau 0. Ok, donc c'est parti. On envoie tout à droite. C'est parti, mon coco. Canon plus... un géant nous envoie des trucs à gauche, mais sauf que je m'en fiche. On envoie tout à droite, c'est parti. On envoie un maximum de trucs. On défend aussi quand même un peu à gauche, c'est normal. Ok, let's go, premier tour. Et le canon, en vrai, il a l'air fort. Hein. Canon géant là. Ouh. Bien joué, bah merci beaucoup. Il me dit bien joué. Franchement, je suis en train de l'éclater. J'aime pas dire ça, mais fou. Le pauvre, il a pas vu le jour. Ah, let's go. 3 couronnes, nouveau coffre. Il est rouge, stylé. Bon, on va ouvrir ça tout de suite. Hop, 8 heures. Oh bah, hop, des gemmes. C'est parti pour le premier coffre, comme ça. Ok, de l'or 143. Ok, des orques. Ok, des boules de feu. Ok, piquier. Et fusil, ok. Bon, bof. C'est pas le meilleur. Ok, donc on va améliorer tout ça. Donc, tac, on améliore tout pour gagner de l'XP, pour être plus fort toujours.
Ok. Donc voilà les clans aussi, on n'a pas vu. Ok, il y a tout ça, il y en a pas mal, hein. Franchement, les gars, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce jeu. C'est vraiment une pure copie. Aussi, il y a les emotes et les skins de tour. Oh, stylé. Oh, il y a une emote, elle a l'air marrante. C'est quoi cette... D'accord. Oh, l'emote avec les lunettes aussi. Oh, stylé, l'emote avec les lunettes, j'aime bien. Il y a des emotes avec le roi mage, comme ça, il y a des skins de tour. Stylé. Bah, dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous a plu. Parce que c'est déjà la fin des vidéos. Et oui, déjà. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour rater aucune de mes vidéos et de mes lives. Et sur ce, je vous dis ciao.